Des locataires plutôt satisfaits face à des propriétaires inquiets. Réaction sans surprise après l'annonce d'un encadrement des loyers. Un blocage à chaque changement de locataire. Cécile Duflot, la ministre du Logement, annonce un décret pour lutter contre l'emballement des prix. Valérie Noyer. La mesure devrait s'appliquer dès la rentrée prochaine. Une mesure d'urgence pour lutter contre l'emballement des prix des loyers, selon la ministre du Logement, Cécile Duflot. Une mesure prise par décret qui empêchera les propriétaires d'augmenter leur loyer avec le changement de locataire. Un décret qui concernera les agglomérations où les loyers ont atteint des niveaux insupportables, précise la ministre au quotidien Libération. Seraient ainsi concernées l'Île-de-France, la Côte d'Azur et la Côte Basque. Encadrer les loyers alors qu'ils sont à un niveau élevé, c'est finalement pas apporter une solution. Face à ce problème de production de logements qui est trop faible en France, il est évident que les loyers ont une tendance à la hausse. Une mesure qui annonce celle de l'encadrement des loyers, promise par François Hollande durant sa campagne. Une refonte de la loi sur le logement qui ne sera pas prête avant 2013, après consultation des acteurs du secteur privé et public, des associations de propriétaires et des locataires. Selon l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne, les loyers ont progressé de 2,4% en 2011 du fait des fortes hausses lors de la relocation. À Paris, le prix moyen d'une location est à plus de 23 euros le mètre carré, des loyers en hausse de 50% sur les 10 dernières années.